Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Craft the World avec une attaque qui va arriver dans cette petite minute 30, donc dans pas très longtemps finalement. Tac, on s'occupe des moutons. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Déjà petit point sur ce qu'on avait commencé à faire la dernière fois. On avait commencé à creuser, voilà, par ici. Donc on va mettre un petit portail. Alors, vous remarquerez que depuis la dernière fois, le mana est un petit peu remonté. Bon, pas tant que ça, mais un petit peu. Faut savoir qu'il était remonté à fond, ce petit mana, très gentil. Et puis il y a eu le chat. Et perte de la partie, et mana redescendu. Bon, j'ai attendu autant que possible, mais si je tourne pas maintenant mon épisode, je ne pourrai pas le sortir en temps et en heure. Donc, désolé, à cause de mon chat, je n'aurai pas beaucoup de mana pour cet épisode. Contre ce qui était prévu. Alors, ceci étant dit, on va continuer un petit peu à explorer. On va casser ça là, hop, nickel. D'ailleurs, il y a des trucs en bas aussi, ça a l'air pas mal. Ça, j'ai pas trop besoin, mais par contre, ce qui est en dessous, ça a l'air sympa. Ok, donc au-delà de ça, les gars, ouais, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Moi, je vais me faire quelques échelles. Oh, j'ai pas tant de bois que ça. Tac, tac. À mon avis, je fais ça pour rien parce que ça va pas nous servir bien longtemps. Mais bon, c'est pas grave. On va peut-être mettre ça ici. D'ailleurs, on va se refaire des torches aussi. Torches juste là. Nickel. Alors, on avait commencé à faire des armures aussi. Armure de 20 de défense. Celles-ci, on pouvait pas trop les faire. Oh, il manque un lingot d'argent pour en faire une de plus. On peut se permettre de le faire. Oh, on peut en faire 7. Allez, soyons fous. Ok, donc ça, c'est fait. On va peut-être l'équiper. Donc je crois que c'était les derniers qui avaient le stuff le plus pourri. J'en ai vu un qui avait un stuff. Voilà. Elinor, je suis désolée. Aujourd'hui, tu passes à 48 de défense au lieu de 32. C'est franchement pas mal. Et est-ce qu'il y en avait d'autres? Non, après c'est des trucs plutôt sympas. Par contre, ici, Soc, t'es à 9. Pac, tu passes à 20 d'armure. Ici, on est sur une armure à 11. Il y a peut-être quelqu'un qui a une autre armure à 9. Eh ben non. Donc la plus petite armure qu'on a, c'est une armure 11. On va déconstruire un petit peu ce qu'on a, parce que ça prend de la place pour pas grand-chose. Et on a un chapeau du Père Noël, faut qu'on le mette ce truc-là, faut absolument qu'on le mette. Je sais pas pourquoi il est encore là. Bon, ça, hop, on déconstruit ça, tac, 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 tac. Et ça aussi, voilà, nickel. Par contre, équipé, qui a le moins de défense? 43, 34, 44, ta, 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 ta. Donc c'était dans les 30, là on a 38, 39, 34. Ok, c'est clairement 4, et de toute façon t'as un chapeau pourri, ça se voit bien. 4, toutes mes félicitations, tu es devenu le Père Noël Barberousse. Et ça me va très bien. Alors, ici on va creuser, on va passer en vitesse x2 parce qu'on n'a aucun intérêt à regarder les nains creuser, ce n'est pas ce qui me motive le plus dans cette aventure. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Ok, pas de soucis. Hop, on va mettre une petite échelle comme ceci. Vous allez me déglinguer ce petit gars-là. Au niveau de l'éclairage, on n'a pas besoin de plus. Ici, on est bon. Et j'aimerais... Regardez, voilà, c'était ça que je voulais voir. Vu qu'on a un peu de mana, on va aller regarder ce qu'on a par ici. Oh, on a une mine, ça c'est sympa. Le bruit, c'est mon chat qui fait des bêtises, on ne s'étonne pas. Et on a des fourmis aussi. Hop, plus de chat. Ensuite, on a quoi? Ah ouais, mais il y a plein de choses en fait par ici, c'est fou. Et ça continue, ça s'arrête jamais. D'accord, donc là j'imagine qu'on aura d'autres fourmis. Si tant est qu'on peut dire que ça s'appelle des fourmis. Tac. Oh regardez, il y a tellement de choses. Alors là, je suis un peu loin, j'arrive pas à éclairer. Mais clairement, je vais arrêter d'utiliser tout mon mana juste pour faire de la découverte. Par contre, on a énormément de choses à regarder, c'est plutôt cool. Les gars, je vais vous mettre là, ouais, et vous allez creuser. Ceci étant, on va peut-être faire un petit check rapide pour voir la santé de chacun. Alors, on va essayer de choper un nain. Les petits nains, ils sont cachés. Alors regardez, sur la minimap, hop, ce sera toi. Bambure, eh ben tu vas te reposer. Tiens, t'as un très bon exemple de nain qui va aller dormir. Toi, bon, t'as pas énormément besoin, mais ça te fera pas de mal. Pareil pour Thibaut. Henriette, pareil. Hack Killer.
Faudra que tu me dises hein, si ça se dit AC Killer ou Hack Killer. Sigild, toi pareil, va dormir. Ok, on a fait le tour, c'est nickel. Qu'est-ce que tu fiches? Bah oui, tu peux passer là, il n'y a pas de problème. Ah non, tu peux pas. Effectivement, tu ne peux pas. Donc, on va faire comment? On va creuser là. Non, on va creuser là. Et puis, on va mettre des échelles. Tac. Ça devrait suffire. Ok, donc ça, ils se débrouilleront pour monter. Je pense que même une chute comme ça, c'est pas très important. Là, il y a quand même des blocs assez intéressants. On va aussi mettre un peu de lumière. Ça, vous le récupérez. Tac, nickel. On est en x2, c'est assez bien parce qu'on va avoir l'attaque dans pas longtemps. D'ailleurs, petite chose que j'aimerais faire, c'est poser des pièges. Où sont mes pièges? Là, on en a 8, on va en faire un peu plus. Allez, 40. Bam! Ça, on s'en fiche. Et on va les mettre là. Parce qu'on a tout le temps des attaques ici. Et vous me l'avez fait remarquer. Eh, hey, dis donc, ça serait sympa que tu mettes des pièges ici. Parce que bah c'est là qu'ils sont les mobs à chaque fois. C'est vrai. J'ai aussi d'autres trucs à mettre, je crois. Bon, la réserve, c'est peut-être pas une nécessité. Ça non plus. Le drapeau, non. Mais c'est joli. Donc, si c'est joli, on le met. Ensuite, on a quoi? La tour Tesla, c'est pas mal. La catapulte aussi. Mais alors, par contre, où est-ce que je vais réussir à caser une catapulte? Sincèrement, aucune idée. Ici, je pense pas que je puisse s'il y a les pièges. Non, évidemment. Où est-ce que je peux la mettre? Là-haut, c'est déjà pris. En fait, faudrait que je fasse une petite structure ici pour mettre ma catapulte. Eh! Bah, regardez où est-ce que ça s'est ouvert. Comme de par hasard. L'avantage, c'est qu'elles sont toujours plutôt faciles, ces attaques. Ouais, on va repasser en x2, il gère la fougère. Oui, mais je l'ai vu le truc, je suis là. En fait, je me suis rendu compte que quand on a une attaque, oula, où on tue tous les mobs dès qu'ils arrivent, c'est-à-dire une attaque où on est directement à la sortie du portail, ça se passe globalement hyper bien. Alors que si on attend un petit peu que les nains arrivent jusqu'aux mobs, que les mobs aient le temps de sortir, qu'on en ait 5, 10, au bout d'un moment, il y en a un qui coince, t'en as 5 qui arrivent d'un coup, et puis là, on se prend des tollées magistrales. C'est pas hyper cool, je dois dire. Là, on est pas mal, mais on n'est pas non plus trop trop bien. Enfin, je veux dire, on fait pas beaucoup de dégâts, en fait. Tiens, celui-là, vous me le déglinguez parce qu'il a plus beaucoup de PV, donc autant le finir. Super, lui pareil, lui aussi, ceux-là on va s'en occuper en dernier. Je sais que c'est eux qui font le plus de dégâts, mais c'est pas la priorité. En fait, faut les guider un petit peu, ces gars, ils sont doués, mais... Pardon, vous êtes doués, mais il faut vous guider. Faut vous chaperonner, les gars, hein. J'y peux rien, moi. Bon, ça, hop, ici. Je sais pas trop si ça va être utile parce que j'imagine qu'un truc comme ça, la portée, c'est là-bas. Et bah, il y aura pas de mob là-bas, c'est clair. Ils seront ici tout au plus. Mais bon, si ça se trouve, ça peut tirer comme ça. Donc, on va le tester. Et j'ai aussi une tour Tesla qui est juste là. Elle, on peut la mettre. En fait, j'ai pensé à un truc. C'est continuer le toit. Où est-ce que je vais mettre ça? Là, hop. Et ici, on a l'arbalète améliorée et on pourrait mettre la tour Tesla juste à côté. Tac, voilà, comme ça. Ok, donc ça, c'est fait. Et regardez, il y a un petit monstre. Hop, en plus, il est prisonnier. Toi, tu dors, nickel. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, franchement, vous avez géré. Après, je dis pas. Si c'est la seule qui a pris cher, c'est peut-être parce que c'est une des seules qui s'est bien battue. Avec Kat, manifestement, Thibaut un peu, moi, eh, je suis pas morte en plus, hein. Franchement, vous pouvez me féliciter. Iboun, tu vas dormir aussi. Et on a fait le tour. Ok, donc on n'était pas parti sur ça, on était parti sur... c'était où? Là, nickel. Eh, pourquoi il y a ça ici? Comment ça se fait qu'on ait des cordes? Franchement, aucune idée. On va mettre un petit portail par ici. Ah ouais, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de mana. Bon, on va quand même mettre les petits gars. Je ferais bien des potions de mana, mais ça rapporte tellement peu. C'est pas intéressant, en fait, comme objet. Ça rapporte 5. Franchement, 5, merci. Hop. Ok, et donc, on va utiliser ça. Tac, tac.
Et je pense qu'en creusant là, on peut s'en sortir pas mal. Là, on peut monter comme ça. Ici aussi. Ça, on pourra pas l'avoir facilement. Et on peut mettre ça là. Ok. Bon, on passe en vitesse x2. J'en ai marre d'attendre que le nain bouge. Ok, donc là, on en a deux. Deux demoiselles qui arrivent. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il y a moi et Nymphalie. Je te reconnais à cause de tes petites oreilles de chauve-souris. Et moi, je crois que je suis la seule brune. D'ailleurs, je vais me contrôler. Voilà, parce qu'il serait temps de prendre les choses en main. Hop, ça. Ouais, en plus, ça demande un coup, quoi. C'est pas la mer à boire. On va s'amuser à casser un peu tout et voir ce que ça donne. Ok, du bois, c'est cohérent. Ouais, ça c'est 100% cohérent. C'est inutile, mais cohérent. Hop, ok, ça, est-ce que ça donne? Ouais, bah voilà, on va récupérer des jolies petites lanternes. On va mettre de la bave d'escargot à la place. Tac, tac, ok, on monte. Non, 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 regarde, tu montes tout droit, comme ça. Voilà, nickel. Alors, ça. Ah ouais, en fait, il y a des trucs intéressants là-dedans. Bon, j'avoue, le découvrir maintenant, c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Mais il y a des trucs intéressants, on peut pas le nier. Bon, et bah, vous allez me casser ça. Deux petites échelles, il y en aura une troisième là. Et on va continuer par ici. Tac, tac, hop, hop, hop. On va mettre ça un peu partout. Non, non, je maintiens, vous pétez ça. Et hop, je te contrôle, tu m'en veux pas. Hop là. Nickel. Hop. Ok. Cool. Je sais pas pourquoi ils veulent toujours pas ici, alors que franchement, il y a la possibilité de passer. Maintenant qu'il y a le passage, je sais pas pourquoi ils refusent. Bref, hop. Tout ça, on le récupère, parce que mine de rien, c'est des ressources qui sont assez intéressantes. Vous allez me déglinguer ce petit gars. J'aimerais bien que les lutins y reviennent parce qu'il y a pas mal de choses ici. Là aussi, mais alors un peu moins intéressante peut-être. Par contre, j'aimerais bien récupérer un pont. Voilà, juste là, on va le mettre rouge, j'en sais rien, ici, tac. Comme ça, ils pourront creuser tranquillou. Là, vous êtes deux et vous le laminez. C'est beau. J'apprécie, franchement, bravo. On va dire qu'il n'était pas très fort quand même. Mais quoi? Il y a... Ok, pardon. Il n'y a pas la place. Je le conçois. Petit pont, tu restes là. X2, les gars, allez, x2. On envoie. Bon, allez, je vous fais un portail, mais franchement, va pas y en avoir beaucoup plus. Bon, bah on récolte tranquillou. J'aimerais bien aller voir la deuxième mine là. Je sais pas, et je peux même pas regarder s'il y a des trucs intéressants. J'ai plus assez de mana. C'est trop nul. Ah, bref. Ok. Et il reste tellement de choses à récupérer. Mais c'est des choses inutiles en plus. Est-ce que je peux refaire d'autres armures? Voyons voir. Oui, deux. Allez, hop, c'est parti. Deux armures. Ensuite, vous irez là, comme ça. Et... ouais, non, en fait, c'est peut-être pas nécessaire. Tac. On peut faire ça, c'est pas mal comme ça. Ou directement ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, mais on fait. Voilà, on fait, ce sera très bien. Tac, tac. Plutôt comme ça. Voilà. Ici, pareil. Bon, les petits gars, ça avance, c'est bien. Ma tour Tesla. Je vais la placer. Voilà, vous me mettez ça ici. La prochaine attaque, ça va. Elle n'est pas avant un moment. Du coup, faudrait peut-être qu'on se recharge côté bouffe. Tac, tac, tac. Là, là. Ok, ça, c'est fini. Le pain. Je sais pas si c'est du pain ou de la brioche. Tac. Et de l'autre côté. Ah oui, ils avaient bien entamé la bouffe ici. Ok, bon, c'est pas mal. L'eau, on s'en fiche. Les armures, ça avance bien. Mais ça, tac, on peut récupérer.
Bien. Ça, les nains, ils ont l'air de s'en fichent royalement. On n'est pas très, très jouasse par là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Livre de grimpeur? Bah ouais, volontiers. Tac. Équipé. Alors, il y a sûrement plein de livres qu'on peut équiper. On a forgeron, mage, meunier et deux de grimpeur. Toi, t'es grimpeur 87. Il y a peut-être d'autres grimpeurs. Ouais, mais toi, t'es déjà 104. Franchement, les grimpeurs, ils sont au taquet. Bon, et bah écoute. Hop, grimpeur 96 et 100. Voilà, tu es au maximum. Je te félicite, Nymphalie, tu as atteint ton but ultime, devenir la meilleure des grimpeuses. Ensuite, meunier, je crois qu'on n'a pas de meunier, mage et forgeron. Mage, on va prendre un vrai mage. Donc, wedlock. Hop. Tu es passé à 41, meunier toujours pas, et forgeron, je crois qu'on en a un peu plus loin. Voilà, forgeron 79, et tu passes à 91, ça c'est plutôt cool. Hop, livre de meunier, faut qu'on se trouve un meunier. Je sais pas avec quel livre ça peut être utile. Meunier, ça peut être quoi? De toute façon, on a tellement de mages qui sont pas des vrais mages. Elinor, est-ce que ça t'intéresse d'être meunière? Bon, tu me dis et on avisera. Ce sera soit Elinor, soit Sock. Forgeron meunier, c'est pas très cohérent. Wedlock, je vais te laisser... Oh, remarque. Non mais Elinor, vraiment, si ça t'intéresse, je te propose le rôle, sinon je le prendrai, parce que pareil, archer, je peux être meunier, ça va pas poser problème. Ou cuisinier, tiens, Katz, est-ce que ça t'intéresse d'être meunier? Parce que cuisinier, meunier, ça reste cohérent. Tu fais le blé, tu fais le pain, tout ça. Non, c'est cool. Tu me diras. Vous me direz, tous. Quoi? Ouais, ça va. Ok, donc là, on a pu descendre nickel, ça, on a tout récupéré. D'ailleurs, on va laisser le temps qu'il récupère le dernier. Ici, tac, tac, cool, va falloir redescendre un peu. Les gars, tac, je vous mets ça ici. Va falloir redescendre parce que ici il y a aussi plein de minerais qui ont l'air très intéressants. Là, vous me mettrez une petite torche. Ok, ça avance bien, c'est cool. On peut peut-être déconstruire les babioles qui nous ont ramenées. Faudra qu'on place ça aussi. Alors, les babioles qui sont pas là. Flingue, ok. Ça, genre ça, on en a rien à faire. Scaphandre, on n'en a pas trop besoin. C'est surtout qu'on est limité, quoi. Ça, hop, on déconstruit. Ça, on a mieux, on déconstruit. 17, pareil, pas besoin. Ça, pas besoin du tout. Et ça, on va garder. Des fois, il y a des constructions à faire avec. Ça, par contre. Ah, si, ça permet... Trop tard. Ça permet de faire les catapultes... Pas les catapultes, les arbalètes automatiques. Bon, les gars, là, je vous ai demandé de creuser, donc, s'il vous plaît, hein, on s'y met. Histoire de se faire le groupe de fourmis. Faudrait que quelqu'un vienne ici aussi, qu'on puisse virer tous les échafaudages. Une petite échelle par là, ça marche bien. Ça mange pas de pain. Oh, ils sont coincés. C'est mignon. Tac, vous me tuerez ce petit gars-là. Et on doit avoir... Mais oui, on a masse de pièges maintenant. Tac. Oh, puis on peut les mettre partout, les pièges, c'est trop bien. Là, parce que souvent, on a des attaques par ici. Donc comme ça, ce sera fait. Tac. Là. Et là. Cool, il nous en reste 19 à faire. Ça va être sympa. On peut aussi se remettre un petit peu à la partie pierre. Tac. Voilà, ça c'est pas mal. Ici, tac, remplacer le bloc à l'avant. Eh ben, j'avais pas beaucoup de blocs. Hein. Ah oui, là c'est de la pierre, c'est pas du mur en pierre. C'est pas grave, ça va se faire tranquillou. Couper. Couper. On est en vitesse x2. Faudrait vraiment pouvoir être en plus que x2 parce que, bah, mine de rien, c'est lent. Hop, vous me couperez ça aussi. Ouais, c'était pas la priorité, mais merci. Tiens, écoute, tu es qui? Hop, on contrôle. J'ai pas regardé. Bombure. Alors, bombure, aujourd'hui, on va bosser un peu ensemble. Tac. Tu me casses ça. Oh, zut. Ensuite, tu iras me tuer le petit gars derrière.
Oh, puis avec ton bouclier, t'encaisses bien. Tac, tac. Hop, nickel. On avait... Hop, là. Ouais, j'avoue, c'était pas terrible, ça. Ça, on vire. Hop. Et mes félicitations, tu es libre. Non, non, vraiment, je te conseille de fuir. Va te reposer. Voilà. Non, 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 non. Attends, attends. Oh, 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 oh. Hé, hey, qu'est-ce que tu... Fuis. Non, fuis. Il est fou. Alors, j'avoue, j'ai demandé à ce que tu les attaques, mais c'est bon, ça y est, t'as attaqué. Maintenant, tu peux te calmer. Par contre, les autres nains, je vous vois pas beaucoup ici. J'aimerais bien que vous veniez pour aider Bombure qui a failli y passer parce que son courage a été plus grand que sa vie, sa jauge de vie, concrètement. Ah, qui c'est ça? Sigild. Ok, Sigild, tu viens nous voir et puis t'envoies du lourd, hein, s'il te plaît. Écoutez, regardez, on va faire ce que j'ai dit que je ferais pas. Mettre un petit portail et vous m'attaquez ça, mais illico, là. Hop. Non, alors... C'est très gentil, mais va dormir dans un lit, quoi. Non, 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 non. Alors, ouais, tu sais peut-être pas comment monter. Regarde, tu vas passer par la droite. Normalement, ça devrait être sécurisé. Hop. Voilà. Je te laisse monter. Je te libère. Ah, non, ok, tu crois vraiment que le meilleur moyen, c'est ici. Bah, écoute, si tu le penses, pas de soucis. Les gars, il en reste une. Je vous laisse vous en occuper. Hop. Après, il y a de l'or par ici. Là, il y a pas mal de minerais encore. Tac. Non, mais tuez-les toutes, quoi. On va pas revenir 15 fois ici. Merci. C'est bon? Ah, nickel. Ok, donc ça, c'est fait. Regardez, on a encore 9 pièges à placer. Où est-ce qu'on peut les mettre? Hop. Comment dire, j'avais pas placé une catapulte. Catapulte, catapulte. Elle est où? Mais oui. Hop, voilà. Vous pouvez monter là, il y a de quoi faire quand même. Ok, alors, Iboun, en plein boulot. Alors, ce qu'on m'a suggéré, je crois... Si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est que le... Oh, regardez, encore une mine, c'est trop bien. C'est que le roi du royaume, ce ne soit plus moi, bon ça c'est un peu moi qui l'avais suggéré, mais qu'on mette Iboun à la place, parce que bah, tout simplement c'est un nain qu'on repère très facilement, parce que c'est un peu un nain oiseau quand même, et bah, il est assez skillé. Hein. Il tabasse les mobs à main nue, je suis sûre qu'il a d'autres talents qu'il ne veut pas nous dévoiler, et qu'il garde pour lui précieusement pour l'instant, mais à mon avis... Il peut envoyer du lourd. Faut juste lui faire confiance. Ok, bon, on avance pas mal. Il faut que quelqu'un s'occupe de ça. Clairement, pour le prochain épisode, je vais prier pour que le mana revienne par magie, n'est-ce pas? Et j'espère que je n'aurai pas de problème avec ma sauvegarde. Concrètement, je vais essayer de faire très attention de bien sauvegarder après que le mana soit revenu. Après que le mana est revenu, d'ailleurs. Ah, super. Merci pour les pièges que tu es en train de faire. Ok, alors on verra si ça fonctionne. Où est-ce qu'on peut mettre d'autres pièges? Alors là, c'est complètement miné. Écoutez, là, tac. Comme ça, ce sera fait. Je sais pas pourquoi. Ah, il y en a déjà un ici. Ok, et là-haut... ouais, là je peux pas forcément. Ici je peux. Non, absolument pas. C'est dommage parce que ici les mobs ils peuvent venir et bah ça pique un peu quand ils viennent. Faudrait que je mette plus de tours Tesla, comme ça quand les tourelles se font attaquer, les tours peuvent défendre. Alors voyons voir. Tour, hop. Ah ouais, il faut des lingots d'or. Bah je peux en faire. Je peux en faire 4. C'est nickel. Une fois que j'aurai mes 4 lingots, je pourrais refaire. Tac. 2. Si j'ai assez de mithril, ouais, je pourrais refaire 2 petites tours Tesla, sachant qu'on peut les cumuler aussi pour en faire des plus grandes, mais je pense que c'est un peu prématuré. Bref, bon, on a eu
Donc, sur cet épisode, on a découvert pas mal de zones, ça c'est plutôt sympa. Il faudra qu'on s'attaque à ces fourmis, guêpes, trucs moches. On s'est attaqué à celles-ci, on les a complètement déglinguées, ça c'est cool. On a récupéré pas mal de ressources, on a visité 7 mines, on va visiter 7 autres mines, et puis celle-là aussi. Donc on a plein de choses à faire pour le prochain épisode. On va se faire un petit teaser. Oh allez, s'il te plaît, laisse-moi teaser. Non mais... tout bien, tout honneur, hein. Voilà, super. Oh, il n'y a pas grand-chose. Bon, et ben c'est sur cette image de pas grand-chose qu'on va cesser. Regardez, on passe en x2, on met... Oh, magie équipée. Et puis, je vais laisser sur cette fenêtre quelques temps pour voir comment le jeu se débrouille quand je le laisse tout seul. Bref, j'espère que vous avez apprécié donc ce petit épisode de combat. Mine de rien, on a fait pas mal de combats. De découverte de la zone. Malheureusement, on n'a pas découvert de temple. J'espère que ça va s'améliorer, ça, parce que pour une extension qui s'appelle les temples des quatre éléments, j'aurais espéré trouver des temples sur les quatre éléments. Hein, je pense que j'en demande pas trop. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez surtout pas à me proposer vos défis, vos suggestions, vos retours sur les différents épisodes. Et donc, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye!